Salutations, c'est Cascule, on se retrouve une nouvelle fois sur Steam et aujourd'hui on est sur Street of Fury X, un beat'em up plutôt déjanté, même s'il reste classique dans son genre. On va voir ça tout de suite, on va aller en entraînement. Ce qui est particulier aussi, c'est les graphismes, c'est du digitalisé, il y en a qui aiment pas, moi je trouve que c'est plutôt sympa. Ça fait un peu old school et c'est volontaire. On va aller dans l'entraînement, voilà, comme ça je vais pouvoir montrer les coups. Et en même temps on va montrer les persos parce que apparemment ils seraient tous issus de YouTube ou de Twitch, moi je les connais pas tous forcément. Mitch Cassidy, je connais pas. Jean-Louis Marceau, je connais pas non plus, mais apparemment il est français. Ruby Diamond, Sam I Am, Dr. Close, Kayane je connais, hein, donc c'est une joueuse de Versus Fighting qui fait plutôt du Twitch, hein, je pense. Elle joue entre autres à Soul Calibur. Ryan Hart, The Nostalgic Critic, Benzai, bah lui je le connais, il est en deux versions, donc Benzai normal et Dark Benzai, il suffit de maintenir la touche R2 quand on le sélectionne, il a du coup plus les mêmes coups. On a Bob Lennon, pareil, il existe en version Golden Bob Lennon, en maintenant la touche R2. On a Mr. Karate, qui est un tutor aussi, lui aussi fait du jeu de combat. Kenji Kyodai, Jackknife, Yamato, Big Cheng, Truck, MC Manhattan, Joe the Soldier, Freddy, et alors il y en a encore 3 que j'ai pas débloqué, il va falloir que je bosse là-dessus, voilà. Alors, pour l'entraînement, on va prendre pourquoi pas un Dark Benzai. Ouh, ça va faire mal! Comme ça, je vais expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc déjà, ça se passe sur plusieurs plans. Ici, on voit qu'il y a 3 plans, je peux me déplacer comme ça. Je peux frapper en me déplaçant. Enfin, en tout cas... Ah ben, il le fait pas bien, le Dark Benzai. On peut le faire, mais Dark Benzai, apparemment, c'est pas sa spécialité. Alors, on a des coups de base. Là, je fais carré, carré, carré. Enfin, XX, mais on voit les touches. Si je maintiens une touche de direction, que je fais la même touche, ça fait plus du tout les mêmes coups. Et voilà, si je fais Y, c'est des touches plus puissantes, des coups plus puissants, mais qui vont éjecter l'adversaire, ce qui va me permettre par exemple de faire des combos aériens par exemple. Hein. Voilà. Voilà, voilà. B, ça va être des touches de coups spéciaux. Dans ta gueule. Voilà, dans ta gueule. Dans ta gueule. Mais ça bouffe de la stamina. Dragon, ouais, voilà. Je vais le refaire, le dragon. Voilà, petite glissade et tout, c'est plutôt cool. On peut évidemment bloquer, on peut aussi faire une espèce d'esquive. Bah, c'est une esquive hein, qui nous rend... On voit à un moment donné, il est un petit peu invisible. On a quelques frames d'invulnérabilité, donc ça c'est plutôt utile. On peut aussi faire un contre, comme ça, il faut le faire au bon moment. Et voilà. Alors il y a un autre contre, mais là il faut qu'on se fasse frapper. Et au moment où on s'en prend plein la gueule, on a la grosse touche B qui va apparaître sur l'écran pour nous dire d'appuyer dessus, pour nous sortir un petit peu d'une situation critique. Alors on va regarder un petit peu les différents coups spéciaux. Il suffit de maintenir RT et on voit que ça change en haut à gauche. Donc on a le premier. Voilà. Le deuxième. Oh, ça va faire mal. Attends, mate-moi ça. Je vais faire un reset pour avoir plus de jauge. Pourquoi j'ai que 2 jauges? Bon, voilà. Voilà, pour le troisième. J'aime pas du tout le troisième, ou alors c'est moi qui le gère pas bien. Voilà, je ne sais pas. J'aime pas trop le troisième. Alors, on en a un aérien, donc il faut que j'envoie l'adversaire en l'air. Ça va faire mal. Je me suis trompé, j'ai été trop vite. Voilà, il est pas mal non plus. Et il y en a un caché. Donc je ne sais pas si Dark Benzai est le seul, mais c'est le seul que j'ai trouvé un peu par hasard. On maintient RT, la touche du O et B. Tu commences sérieusement à me briser la couille. Voilà, ça me fait marrer en plus. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va partir peut-être sur une campagne. On va pas faire une campagne en entier, on va juste faire le premier niveau. Le premier vrai niveau, parce que le premier, c'est un petit peu du tuto. Allez, campagne, on va jouer sur la première, voilà. Ou le plan B, peut-être. Moi, je sais pas. En fait, j'ai déjà terminé le plan A, mais on le voit, c'est marqué, je l'ai fini en facile, et en le débloquant en facile, j'ai gagné des points qui m'ont permis de débloquer des difficultés supérieures. On voit que maintenant, je peux le faire en very hard, en insane et en custom. Il nous dit qu'en medium, c'est trop facile quand on est en coop, mais là, je ne suis pas en coop, donc pourquoi pas faire celui-là en coop, et on va changer de personnage, on va prendre... Pardon. Bob Lennon en version de base. Bon,
soir, je suis Bob Lennon. Bon, là, je vais accélérer un peu. Et alors, oui, j'ai pas parlé des taunts. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Bob Lennon, il en a pas mal en plus. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux la danse des fesses? Bon, allez, fini de déconner. Maintenant, on y va. Voilà, voilà. Ça, c'est fait. On va essayer de faire du plus beau comme Boxa, quand même. Oh, c'est pas mal, ça. Ah, je l'ai fait dans le vent, c'est dommage. Mais j'aime bien celle-ci, celle-là elle me fait marrer aussi. Voilà, dans ta gueule. Mais j'ai tendance à pas bloquer, du coup il me le rappelle. Faudrait que je le fasse un peu plus. On va voir, on va pouvoir apprécier le jeu d'acteur impressionnant. J'adore le tourner du sapeau foireux. C'était clairement pas nécessaire, mais j'avais envie de le faire. Et il a une super attaque aussi quand il est en l'air, on va la voir juste après. Bon voilà, là j'ai terminé la section, mais c'est pas un niveau complet ça, on s'en fout, ça compte pas. Dropkick! Il vaut mieux éviter le dropkick, ça fait mal. Vous allez crever! Voilà, celle-là est pas mal non plus. C'est un bon petit combo déjà, c'est pas mal. On est vite! Voilà, ça c'est quand je maintiens bas avec B. Non, on est vite! Oh! Dragon! Dragon! Allez, on continue. Ah, j'ai pas vu arriver. Ah, voilà le contre. Ah, bah ça a pas marché, c'est pas grave. En Dark, il a une en Golden, pardon. Lui, c'est en Golden, c'est vrai. Ah, voilà. Il a une attaque de ce style-là, mais beaucoup plus impressionnante. Mais je disais, j'ai pas tendance à bloquer. Mais je l'aurais fait mal, quand même. Non, pas ici, il y a un plafond, j'ai oublié. Voilà. On peut pas s'envoler quand il y a un plafond, c'est logique. J'ai bloqué. Mais c'est un Alpha Counter là, je sais pas quoi. J'ai raté. Allez, viens. Voilà, c'est ça le coup. Ça les immobilise un petit peu et on attend de commencer un enchaînement. C'est pas mal non plus. Bon, ce coup-ci, je l'achève. Bon, je suis presque mort, mais bon, c'est pas très grave. Hein, ça me permettra de montrer un autre personnage à la limite. Ou la version Gold. Dans ta gueule.
c'est pas parce que je suis presque mort que je vais laisser tomber. Il court vraiment bizarre, moi. Alors, ça t'a plu? Ah, je l'ai raté. Dommage. Non. Ah, ça va, c'est passé. J'ai eu peur sur le coup. Je l'ai eu, pas encore. Non, on recule. Ah, je suis mort. On va reprendre sa version Gold pour voir un petit peu les différences. Je suis Bob Enon. C'est juste pour te chauffer les essais. C'est juste pour te chauffer. C'est juste pour te chauffer. Comme disparu dragon. Pourquoi j'arrive pas à lancer mon attaque? Faut peut-être attendre un petit peu, je sais pas. C'est là que tu dois tomber. C'est un peu long là, du coup. Je pourrais accélérer peut-être. Ah non, je peux pas. On a l'impression de laguer, mais non, c'est un ralenti. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Bon, j'avais dit que je ferais qu'un seul niveau, mais j'ai quand même envie de voir les coups spéciaux de Golden Bob Lennon, et après j'arrêterai là. On accélère un peu, voilà. Bon, eux, c'est vraiment juste des trash mobs. Hein. Y a aucune difficulté à les combattre, on va pas utiliser des coups spéciaux sur eux. Par contre là... Pourquoi je peux pas faire celle-ci? Je comprends pas. Bon, c'est pas grave, je vais faire celle-là déjà. Elle est pas mal. Et celle-là. Celle en l'air, on l'a déjà vu. Ah oui, il y en a une que je peux placer quand en combo, c'est ça, j'avais oublié. Donc je commence un combo. Ah non, ça marche pas. C'est quoi ce bordel? Je vais réessayer. Ah merde, mon copain. Tout juste. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux la danse des plans? C'est pas ce que je voulais faire. Pourquoi est-ce que je ne peux pas faire mon attaque? Je ne comprends pas. Faut peut-être les 3 jauges, je vais essayer. Moi, c'est ça. Voilà, mais non, il est pas cheaté, le Bob Lennon. Pourquoi? Dans ta...
C'était joli ça, hein. Je vais le refaire. Je pense que j'ai juste fait... Allez, laisse-moi le taper. Quand on est à plusieurs à s'acharner sur un type, ça fait quand même très mal. J'ai envie de retenter ma grosse attaque une dernière fois et j'arrêterai à ce moment-là. En plus, il y a du monde, ça peut être rigolo. Ce serait bien de les rassembler tous au même endroit pour que je les touche tous en même temps. Faire un méga combo. C'est pas à vous que je veux, voilà, c'est ici. Ah merde, il a bloqué. Je vais casser sa garde, c'est quand même cool. Je réveille mon copain, là, il faut que je réveille mon copain. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Bon ben on va s'arrêter là, on aura découvert le jeu, donc Street of Fury X. Il est plutôt sympathique, moi je l'ai eu en promo sur Steam pour presque rien. Et bah je regrette pas, le jeu est plutôt agréable, il est fun, en plus on peut y jouer jusqu'à 4 en même temps, donc ça c'est vachement bien. Voilà, sur ce je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !